Et depuis 1906, le poste colonial d'Issia est érigé en sous-préfecture par le décret numéro 6116 du 3 janvier 1961. Devenu département depuis la dernière réforme administrative, Issia a un conseil général au terme de la loi 2001-477 du 9 août 2001 portant création, organisation des départements de Côte d'Ivoire. Le département d'Issia est situé dans la région du Haut-Sassandra, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la zone forestière. Il compte deux communes de plein exercice, Issia et Saïwa, et quatre sous-préfectures, dont Boguédia, Ibogué, Issia et Saïwa. Le chef-lieu du département d'Issia se trouve à 363 km d'Abidjan et 160 km de Yamoussoukro. Toutes les voies menant à Issia sont bitumées. Le département d'Issia est limité au nord par le département de Daloa, au nord-ouest par le département de Diokoué, au sud par les départements de Gagnoua et de Soubré et à l'est par celui de Saint-Fra. Au niveau de la végétation, le département jouit d'une végétation forestière avec un sol fertile pour les cultures industrielles et vivrières. La forêt recèle des essences de bois pour l'exploitation. Le département baigne dans un climat humide avec deux saisons de pluie et une saison sèche qui se répartissent comme suit. Une saison sèche de novembre à mai, une grande saison de pluie d'avril à août et une petite saison de pluie de septembre à début novembre. La région d'Issia est arrosée par quatre principaux cours d'eau, dont le Sassandra, le Dablo, le Lobo et le Goré. La population du département d'Issia s'élève à 261 581 habitants, recensement général de 1998 réparti de la façon suivante. Hommes, 137 455, femmes, 124 126. Avec un taux d'accroissement de 2,8 pour une densité de 75 habitants au kilomètre carré. Au niveau de la situation économique, les secteurs primaires, dont l'agriculture, culture pérenne, outre le café et le cacao qui constituent les principaux produits d'exploitation, l'éveilla, le coton et le palmier à huile, viennent de faire leur apparition dans le département. Pour la culture vivrière, il s'agit du riz, du maïs, de l'igname, du taro, du manioc, de la banane plantain. Jusqu'en 1997, la production locale de bananes, de taro de manioc arrivait à couvrir environ 95% des besoins de consommation alors que le riz ne pouvait satisfaire que 30% des ménages. Le reste du riz fourni par les commerçants provient d'ailleurs. L'élevage des bovins est pratiqué en grande partie par quelques halogènes, malinqués pour les besoins de la boucherie locale. L'exploitation de l'or pratiquée naguère dans la région a connu une régression notable. Aucune évaluation des quantités extraites n'est possible, les exploitants étant libres de livrer leurs produits à tout venant. Le secteur secondaire, ce secteur est essentiellement représenté par les industries de transformation du bois. La série moderne de Bemadi, la SMB, Kovalma Industrie de Gazibou, la série Eloi Lori d'Issia. Au niveau du transport, Issia compte plusieurs sociétés de transport. Au plan commercial, il est organisé du mois de mars au mois d'avril une foire ambulante de ville en ville, parfois dans un département proche d'Issia, pour les structures de soutien au développement. Parlons maintenant de l'artisanat. Il existe de nombreux forgerons, de tisserands, de coiffeurs pratiquant de manière traditionnelle leur profession. Pour la culture, la région est renommée par le groupe des petits danseurs d'Issia qui font partie de la multitude de masques et danses qui constituent une attraction touristique tout en gardant leur caractère mythique. Le rocher de la ville d'Issia avec sa source miraculeuse, dispensatrice de guérison qui abrite également le grand séminaire catholique où l'on enseigne la propédeutique, les pierres miraculeuses de Bekoreya dans le Balo, la grotte du génie Mappé dans la sous-préfecture de Saïwa et la grotte de Dagbasoko dans le canton Bogué. Pour les infrastructures hôtelières, outre une dizaine de petits hôtels, on distingue 4 hôtels de moyen standing. Pour les restaurants et maquis, on dénombre une centaine de débits de boissons, des restaurants et maquis dans le département d'Issia, dont les plus réputés sont installés dans la ville d'Issia. Pour les voies de communication, la sous-préfecture d'Issia, par sa situation géographique, est un grand carrefour. Elle est desservie par les grandes voies qui sont toutes aujourd'hui bitumées.
S'agissant de l'éducation, l'enseignement primaire regorge 52 écoles, 3650 élèves, 402 enseignants et 2 inspecteurs. Pour l'enseignement secondaire, 6 établissements, dont 4477 élèves, dont 3157 garçons et 1320 filles. Pour la santé, un hôpital de 54 lits, un médico-scolaire, un service de santé rurale, une maternité de 30 lits et des formations sanitaires dans certains villages. Pour le sport, un grand terrain de football avec une belle pelouse, des vestiaires et une tribune. Une équipe de football en première division dénommée Issiawasi. Restons toujours dans l'univers du Conseil général d'Issia et rappelons que le département d'Issia, situé dans la région du Haut-Sassandra, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la zone forestière, compte 2 communes de plein exercice, Issia Issaïwa et 4 sous-préfectures. Le département d'Issia comprend 6 cantons. Dans la sous-préfecture d'Issia, les cantons Bogué, Zabo, Lobois. La sous-préfecture de Saïwa, le canton Yokolo. La sous-préfecture de Ibogué, le canton Niaboa. La sous-préfecture de Boguédia, le canton Gbalo. Le conseil général d'Issia est une équipe solidaire pour un développement dynamique. Le premier président du conseil général d'Issia est M. Siri Goyon Michel. Le conseil général d'Issia a priorisé les réalisations dans les domaines éducatifs, sanitaires, économiques, hydrauliques et les aménagements d'espaces de production. Le conseil général a également procédé à des ouvertures de rues pour les travaux d'électrification de certains villages qui avaient été programmés. Avec l'aide de l'État, le conseil général d'Issia a procédé à l'électrification des villages. Le conseil général d'Issia a procédé également à la création des coopératives et a engagé un certain nombre d'actions à réaliser avec une société israélienne et une société allemande. Dans le cadre de la coopération décentralisée, le président du conseil général d'Issia a effectué de nombreux voyages à l'étranger. Le conseil général a fait un clin d'œil aux activités productrices, entre autres l'aménagement des bas-fonds rizicoles, afin d'amener les jeunes en particulier et tout autre agriculteur à produire du riz de bas-fonds qui devrait réellement contrebalancer le riz fluvial qui est devenu un rituel sur tout le département d'Issia. Dès l'avènement des conseils généraux, l'on a décidé de réhabiliter les pompes hydrauliques villageoises. Et les efforts du conseil général à réhabiliter celles-ci s'avèrent de plus en plus inefficaces. Le conseil général d'Issia, dans sa politique de développement, se fixe comme objectif de maintenir la santé d'abord des populations, qu'elles soient en état de travailler. Et l'un des vecteurs de santé le plus important, c'est l'eau. Et pour ce faire, notre souci aujourd'hui, c'est d'équiper les villages de plus de 1000 habitants de châteaux d'eau. Ensuite, nous voulons faire une économie marchande. Par conséquent, les productions qui vont se faire dans des zones rurales devront être évacuées vers les zones urbaines afin d'alimenter les marchés internes et externes. Et pour ce faire, nous voulons que toutes les routes qui relient les différents points du département soient praticables toute l'année. Issia a une carte scolaire tout à fait correcte, mais les infrastructures qui ont été bâties par le passé le sont en matériaux précaires et aujourd'hui, il faut renouveler de façon significative toutes ces écoles et augmenter la capacité de ces écoles du fait de la population scolarisable qui est montante. Car il ne faut pas oublier que la population d'Issia est à 70% constituée de jeunes. Aussi, de façon directe, il faut traiter les maladies qui assaillent les populations. Et pour ce faire, il faut réduire substantiellement la distance entre les patients et les points de santé. Et donc la carte sanitaire mérite d'être améliorée. Après son amélioration, il devra aussi suivre l'équipement de ces centres de santé. Mais sur quoi est basée l'économie,
l'avenir du département, c'est d'abord sur l'agriculture. Et je reste convaincu que l'agriculture pratiquée comme elle l'est aujourd'hui ne peut pas être une agriculture marchande, ne peut pas être une agriculture qui produit de l'argent. Elle ne peut être qu'une agriculture de subsistance. Il faut donc moderniser l'agriculture pour permettre aux jeunes gens d'être fiers de pratiquer les métiers de l'agriculture et de se transformer en exploitants agricoles que d'être des cultivateurs avec la houe et la daba où on fournit beaucoup trop d'efforts pour des productivités.